Salut à tous les amis, salut. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui. Lily Rose a fait une immense bêtise encore une fois. Ouais. C'est pour ça qu'on est ici. Vous vous demandez certainement qu'est-ce qu'il faut encore à côté de la forêt. Là cette fois j'ai dit à Lily Rose je rentre pas dans la forêt. Mais elle a fait une immense, immense bêtise. Bah j'ai pas fait ça. En gros, ce qui s'est passé c'est qu'elle a vu sur un site internet, on donnera pas le nom du site internet, c'est pas TikTok, c'est pas Instagram, tout non. Ça, c'est pas YouTube, c'est vraiment un autre site qui est même pas connu en fait. Mm. Elle a vu un article avec écrit dessus tous les numéros qu'il ne faut pas appeler. Et elle, j'en ai appelé. Qu'est-ce qu'elle a fait cette immense bêtise. Bêtise humaine. Ouais. Elle a appelé un numéro parce que alors il y avait une liste de 10 numéros à ne surtout pas appeler. Bah, j'ai appelé le premier et c'était celui qui était marqué. Et elle a appelé le numéro du démon Cesso. Ouais. Ok, donc ça s'appelle le démon Cesso. Et le truc c'est que dès qu'elle a appelé le numéro, parce qu'elle a utilisé, bien sûr, vous savez ce qu'elle a utilisé. À votre avis, quand Lily Rose fait une bêtise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a utilisé mon téléphone, ouais. Mais mon vrai téléphone de la vie de tous les là, jours. J'avais pas utilisé le mien en même temps. Mon téléphone depuis ne s'allume plus. C'est vraiment catastrophique. Non, tu restes ici. Si, mais on va aller dans la et si j'ai décidé de faire une vidéo, c'est pas tout parce que mon téléphone n'est pas juste cassé. C'est juste que il est hanté. Non, c'est même pas qu'il est hanté. C'est que dès qu'elle a appelé le numéro, mon téléphone ne s'allumait plus. Elle a crié parce que sur l'écran, à la place, bah, à la place du fond c'était d'écran, c'était la photo du démon Cesso. C'était la photo du démon Cesso, donc on va même pas vous la montrer. Mais le truc, c'est que, oh, parce que à côté voilà de la photo du démon Cesso, il y avait carrément une carte. En fait, il avait sa photo et dans sa main, ouais, il tenait une genre, carte. C'est une ça carte, je sais pas, elle était rouge un peu. Ouais, elle était marquée. Comme par hasard, c'était marqué le nom de la forêt, ouais, à côté de chez nous. Du coup, donc, bah on va y aller, allez, c'est parti. Bah, on va y aller, non. Le problème, c'est pas ça, clairement. C'est que si on n'y va pas, en fait, je sais pas ce qui peut se passer. T'as vu Lily Rose? Regarde. C'est quoi ça? Pourquoi il y a des chaussettes? Mais c'est le démon Cesso. Attends, en fait. Mais il y a un téléphone. Ah ouais, il y a un téléphone. Il est rouge en plus. Mais c'est le téléphone rouge. Mais c'est le téléphone du démon Cesso. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas. Oh, arrête. Non mais c'est pas possible. C'est quoi ça? Mais pourquoi il y a des chaussettes partout? Mais what? Non mais vas-y, touche-les pas. Vas-y, moi je pars. Attendez. Les amis, c'est quoi ça? Regardez. Regardez! Mais c'est Peppa Pig! Et on vient de trouver ce téléphone vraiment par terre, c'était pas prévu. Mais c'est improbable! Ah, mais attends, le démon Cesso, il nous a demandé de venir ici! Bah ouais! Exactement ici! Je crois on va un peu plus là-bas parce qu'imagine. Attends, le démon Cesso, il nous a demandé de venir sur la carte. Bah c'était vas-y, c'était le grand arbre avec mais le chemin. Mais ça, il y aura un autre indice, viens, on y va! Non, mais attends, mais tu trouves pas ça déjà suffisamment bizarre? Bah, autant le faire jusqu'au bout! On trouve le téléphone rouge et dessus, il y a la photo de Peppa Pig! Mais autant. Attends, en plus, c'est un chemin un peu périlleux là parce qu'il y a plein de boue là et la pluie, franchement, dans le nord de la France, commence à faire trop mauvais. C'est n'importe quoi. Bon, allez, on va avancer. Ouais. Et aussi, pour ceux qui savent pas pourquoi on est étonné de trouver un téléphone rouge, parce qu'à chaque fois qu'il se passe des galères choses chez nous, à chaque fois qu'on a des gros problèmes, bah, c'est toujours avec des téléphones rouges. Ouais. À chaque fois, on les trouve dans la rue, à chaque fois, ouais, il se passe plein de trucs. Franchement, attends, normalement, c'est par là. J'espère. T'entends pas, il y a des cris là. Ouais. T'entends? Attends, mais c'est trop bizarre, on entend comme des petits cris. Bon, les amis, on va essayer d'aller là-bas. Et surtout, bah, ne cherchez même pas à contacter Cesso. Parce que je sais même pas qui c'est. Je sais même pas si c'est un site fake ou quoi. Si bah, c'est un faux site. Je sais pas, parce mais que apparemment, en tout cas, ça a vraiment détraqué mon téléphone. Donc si vous voulez pas que votre téléphone soit détraqué, c'est vraiment. Bon, allez. Les amis. Oh, attends, j'ai quoi une idée. Quoi? Mais ça tombe, c'est Peppa Pig qui a eu un problème. Mais pourquoi? Mais parce que c'est lui sur le fond d'écran du téléphone de Cesso là. Bah viens, bah je sais pas. Mais regardez les amis. Mais ça se trouve, mais il en a fait, été pris par Cesso. J'ai même pas calculé, mais en fait c'est vraiment ça qui est en train de se passer. Mais ça se trouve, il a été pris par Cesso. Attends, je vais essayer d'appeler Peppa Pig. Attends, t'as pas ton téléphone là? Non, je l'ai pas. Punaise, mais viens, on l'appelle, je sais pas. Comment on va faire? Mais je sais pas, viens, on le attends, t'abuses. Quelque part par là. Je vais essayer d'appeler avec mon téléphone normal. Attends, c'est bon, il refonctionne. Allô? T'entends? Allô? Peppa Pig? Viens, on va voir. C'est sur répondeur, mais il y a quelqu'un qui a changé mais son répondeur. On est d'accord, t'entends du bruit là depuis tout à l'heure. Ah oui, j'entends même des cris. Mais viens. Et c'était même pas son vrai répondeur, c'était une voix trop bizarre avec un rire. Le répondeur de Peppa Pig, c'est devenu. Mais où?
Attends, j'espère que Peppa Pink a pas eu de problème avec le démon Cesso. Ça tombe, c'est de ta faute en plus. Hein. Mais n'importe quoi. Non, mais en vrai, t'abuses. Ça tombe, Peppa Pink s'est fait capturer. Mais impossible. Attends, vas-y. Tu vois pas un truc bouger là-bas? Mais si. Attends, je crois qu'on le voit pas à la caméra, c'est trop loin. Humaine. Attends, mais il y a un gars là-bas qui fait un truc avec des bâtons. Hein? Vas-y, attends, on devrait aller voir. Oh punaise, on marche dans les herbes hautes. Hyper grande. Les herbes, elles sont énormes. Ah non, mais regarde. Ah, j'ai fait tomber le micro de la caméra. Bon les amis, désolé, cette vidéo c'est vraiment la catastrophe. J'espère que vous nous entendez bien. Attends, je vois là-bas. Mais c'est un truc de fou là. Mais hein? C'est quoi ce truc? C'est qui? C'est Peppa Pink, je crois. Oh, attends, vas-y, passe. Peppa Pink, qu'est-ce que tu fais là? Mais what? Peppa Pink. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec une branche? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais là? Bah je vous cherchais. Comment ça, tu nous cherchais? Mais pourquoi tu casses ça? Non mais, qui t'a amené ici? Bah écoute, t'es à la maison. Quoi, t'étais à la maison et... J'ai reçu un coup de téléphone bizarre. Est-ce que c'était en me demandant... C'est intéressant ce qu'il dit. En me demandant de venir ici, près de la barrière. T'as reçu un t'as reçu c'est un appel... C'est un peu rouge. T'as reçu, un appel de téléphone et on t'a demandé de venir ici. Oui, il fallait chercher justement une branche à trident. Mais il faut pas rester là, c'est... Mais en plus, Pourquoi, regardez, c'est le démon Cesso qui t'a demandé de venir. Oui, il a que des habits rouges, coïncidence. Viens, viens, on part. Ok. Et on repasse pas par les herbes hautes. On repasse pas par les herbes hautes. Non, parce que là... Allez, viens. Peppa Pink, dépêche-toi, là. Vite. Mais prends pas la tige, on s'en fiche. Bah, de prendre le bâton sur l'appel. Mais non. Bon, je laisse. Mais c'est un piège. C'est un piège. Bah, c'est Lyros qui a appelé le démon Cesso, là, sur Internet. Et il est en train de détraquer... En plus, t'es habillé tout en rouge. Il est en train de détraquer tous nos téléphones, là. Ouais. Il va nous donner des ordres totalement... Il va nous donner des ordres totalement stupides. Démon Cesso, il nous a mis dans la sauce. Ouais, démon Cesso, il nous a mis dans la sauce. Tout à fait, là, c'est bien dit. Bon, allez, vas-y. Il faut qu'on parte d'ici au plus vite. Franchement, les amis, Peppa Pink est sain et sauve. Il est là. Ah bah, heureusement. Il est là, il n'y a plus de problème. Le téléphone rouge avec le démon Cesso, je vais le garder. Ouais, parce qu'on s'est déjà Je vais envoyer mon téléphone chez le réparateur. Parce que je pense qu'il y a... Mais non, mais il nous a rien dit du tout. Il nous a juste dit de venir ici. Ouais, sauf qu'à mon avis, à mon avis, il voulait nous attirer ici. Ouais. Et ensuite, il va nous poser plein de problèmes. Bah ouais. Oh non, c'est comme la dernière fois. Bah non, si. Non, on rentre. Ça tombe, il va nous sauter dessus et tout. Bon, les amis, là-bas, il y a la forêt. Ouais, on va essayer d'y aller. Enfin, on va essayer de rentrer chez nous sans passer forcément par la forêt. Je sais pas si on va y arriver. En tout cas, surtout, n'appelez pas des numéros de téléphone au hasard, même si parfois c'est rigolo. Ne faites pas ça, ne faites pas la même erreur que Lily Rose. On passe par là ? Je regarde en même temps s'il n'y a pas de démon Cesso. Bon les amis, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et surtout le plus important, c'est de cliquer sur une vidéo qui apparaît. La vidéo qui apparaît juste ici ou aller voir une autre vidéo sur cette chaîne. À la prochaine, à plus. Ciao.